Salut les Simressus, salut les Simressers, c'est Mick, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une petite vidéo sur eSports WRC. Alors, c'est vrai qu'eSports WRC, je vous en ai pas reparlé depuis mon test vidéo ou presque, pour la simple et bonne raison que j'attendais que le jeu évolue, que le jeu ait plusieurs mises à jour pour me convenir. Alors, je dis pas qu'il était pas bien au départ, mais voilà, ça m'allait pas. Aujourd'hui, c'est beaucoup mieux, c'est pas encore ça, mais c'est beaucoup mieux. Qu'importe, aujourd'hui on va parler d'eSports WRC tout simplement parce que Electronic Arts et Codemaster nous ont révélé que le jeu ne serait pas un jeu épisodique. Et ça, c'est une très très bonne nouvelle parce que vraiment je voyais pas l'intérêt de sortir ce jeu tous les ans comme un F1 par exemple. J'ai déjà du mal à comprendre l'intérêt de F1. Là au moins, on va dire que les ventes du jeu qui sont très correcte mais sûrement pas satisfaisante pour l'éditeur par rapport aux investissements, fait que ils ont pas vraiment le choix parce que ils ont eu beaucoup de travail pour améliorer ce jeu, pour l'optimiser aussi, pour apporter toutes les petites choses et repartir sur un WRC 2025, faire la promotion autour du jeu, apporter des améliorations, sachant que le championnat du monde de rallye ne bouge pas pendant un ou deux ans, je crois. Hein, ils ont fixé les règles, ils ont fixé les choses. Il y aura pas de nouvelles voitures. Au rallye, c'est pas pareil. On n'a pas une nouvelle voiture tous les ans comme en F1, etc. Donc, en gros, hormis faire les éventuels transferts de pilotes et, on va dire, les livrets adaptés à la saison en cours, ça n'a aucun sens de faire un épisode 2025, puis 2026, puis 2027. Peut-être qu'au-delà, ils pourront renouveler le jeu, mais pour le moment, ils nous dévoilent cette roadmap, donc la roadmap, donc la feuille de route. On va parler en français, parce que c'est vrai que maintenant, on a beaucoup de termes anglais, alors qu'on a des très bons termes en français, mais bon, on lit bêtement des fois. Donc, on aura le 30 juillet, on aura un pass. Voilà, un pass pour la saison 6. Donc ce pass, il comprendra donc le Serengeti Pack, le Radisaurus Pack, le Topographic Pack, le Psychedelic Pack et le Limelight Pack. Voilà. C'est a priori des livrets, des tenues, des gants, etc. Bref, c'est du EA tout craché. On nous vend du cosmétique. Voilà, on nous vend du cosmétique, pas du pratique. Nous, on aurait aimé avoir une nouvelle spéciale. On aurait aimé avoir peut-être quelques voitures de légende. Alors là, on en a. Voilà, on voit qu'il y a des voitures, mais on les a déjà dans le jeu, en fait. On aurait peut-être aimé, je sais pas, des voitures un peu plus anciennes. Une 106. Une 106 Rallye. Une Clio Williams. Une Clio... Voilà. Bref. C'est au kit car, pardon. Voilà, peut-être des choses comme ça. Et non, on nous vend du cosmétique. Donc ça, bon, c'est le côté toxique, j'ai envie de dire, de EA, mais Codemaster le faisait déjà très bien avant. Attention, hein, on va pas tout mettre non plus, c'est pas EA le grand méchant et tout. Mais voilà, par contre, on a un déroulement clair et net, et ce déroulement, ce sera ça. C'est-à-dire que, le 30 juillet, donc on a ce pass saison 6, donc bon, écoutez, on verra si ça a du succès ou pas. Par contre, ce qui est intéressant, c'est le WRC. Alors, je vais dire le terme anglais, le WRC 2024 Season Expansion. Donc, là, c'est en octobre 2024, c'est-à-dire au moment où le jeu fêtera, c'est un an. Et là, on aura effectivement des nouveaux lieux, des nouveaux pays, peut-être, des nouvelles spéciales. On aura des nouvelles voitures. Alors, des nouvelles voitures, ce sera de la livrée. Comme je vous ai dit, peut-être qu'il y aura quelques nouvelles voitures. On verra, mais il m'a l'air beaucoup plus intéressant ce pack en octobre. Hein, il n'y a pas tellement d'écart entre les deux. Et bien évidemment, du cosmétique, comme d'hab. En hiver 2024, donc fin 2024, début 2025, on aura des nouvelles spéciales. Donc, et plus, voilà. On ne sait pas ce qu'est le et plus. Peut-être qu'eux-mêmes ne savent pas ce que c'est le et plus. Mais en tout cas, on aura des nouvelles spéciales. Et puis,
Il y a un DLC 2 qui est annoncé aussi pour le printemps 2025, où là encore, on aura des nouvelles spéciales supplémentaires. Voilà. Ces infos, elles sont disponibles sur le site Overtake. Hein, je ne les ai pas sorties de la cuisse de Jupiter. Donc voilà, si vous voulez lire l'article en anglais ou vous le traduire en français avec Google pour être plus dans le détail, pas de problème. Moi, je veux juste dire que je trouve cette démarche et cette façon de procéder non seulement très intelligente, très respectueuse aussi des utilisateurs de ce jeu. Parce que, voilà, comme je vous ai dit, par la force des choses, quelque part, ils n'ont pas le choix. Mais ça va les servir, en fait. Parce que, à la place d'avoir un jeu qui se renouvelle tous les ans, où tu recasques 50 balles, qui importe le support, on s'en fout, PC, console. Et ben là, on a des petites évos, et en fait, on choisit les packs, les évos qu'on veut, en fait. C'est-à-dire que voilà, moi, par exemple, le pack du 30 juillet, très clairement, j'en ai rien à carrer. Vous, je sais pas. Par contre, le pack, on va dire, anniversary, entre guillemets, des 1 an en octobre, ça m'intéresse. Quand on me parle de nouveaux lieux, de nouvelles voitures, voilà, là, ça m'a l'air cossu. Après, le prix, on verra. Mais vu que le prix du jeu est souvent bas, le DLC compensera, on va dire. Et pour eux, économiquement, bah, c'est une bonne affaire parce que ils gagneront plus à faire acheter, on va dire, des DLC pendant toute une saison pour les passionnés, que de les forcer à racheter une nouvelle version du jeu qui sera automatiquement buggée au départ, qui aura automatiquement des problèmes et des améliorations toute l'année. Etc. Là, en fait, ils peuvent travailler, Codemaster peut travailler tranquillement sur le jeu. Les priorités, pour moi, c'est il faut absolument qu'ils améliorent encore le FFB. Il est trop grossier, il n'est pas assez précis, ce FFB. C'est que mon avis, vous serez peut-être pas d'accord, dites-le moi en commentaire. Mais moi, pour l'instant, en fait, tout ce qu'ils ont fait sur le jeu, c'est ramener un peu tout, le FFB physique et tout, à ce qui était Dirt Rally 2.0. Hein. Alors, c'est bien, ils ont écouté les critiques des fervents passionnés. C'est-à-dire enlever un peu le côté moelleux, un peu le côté arrangé, un peu le côté linéaire, facile, entre guillemets, pour le ramener un peu plus vers l'exigence de DR2. Mais pour moi, il y a un FFB à améliorer, il y a aussi précision sur l'accélération, sur le frein à améliorer aussi sur cette simulation. Et bien évidemment, encore la physique, hein, il y a encore du travail sur la physique, sur le comportement des différents véhicules, notamment au niveau du changement d'adhérence des pneus que je trouve trop faible. Voilà, quand par exemple on pilote en pneus slick sous la pluie, c'est compliqué, bien sûr on perd du temps, mais c'est pas non plus impossible. On arrive quand même à avoir un bon rythme et tout. Je vous garantis qu'en slick, sur une pluie battante en rallye, vous galérez de malade, c'est une horreur. Chaque virage est une horreur. Donc je pense qu'il y a du travail à faire là-dessus, sur la neige, comme je vous avais dit et tout. Mais bon, voilà, l'essentiel, c'est que IAWRC va fonctionner dans le temps. Donc si vous hésitez à vous l'acheter, à passer sur cette simulation, aujourd'hui vous avez une bonne raison de le faire, parce que voilà, il est là pour rester pendant beaucoup d'années, avec beaucoup d'évolutions. Il est disponible maintenant en VR. Bon, l'optimisation, ça va mieux qu'avant. Alors je sais que récemment, l'histoire de l'intégration de l'anti-cheat, ça a fait grincer des dents pour beaucoup, je ne sais pas pourquoi. Moi je trouve que le fait qu'il y ait un anti-cheat, je trouve ça plutôt cool, mais il y a peut-être d'autres raisons. Franchement, j'ai pas percé, donc expliquez-moi en commentaire ce qui pourrait être dérangeant, parce que j'ai pas trop suivi le truc. Mais voilà, moi je trouve ça très bien. Je vois qu'ils écoutent la communauté, je vois qu'ils écoutent les joueurs, je vois qu'ils écoutent aussi beaucoup les vrais pilotes, en fait. Ils travaillent pas mal avec certains vrais pilotes de différents niveaux. Et je pense que cette simulation peut vraiment se bonifier énormément avec le temps, et surtout avec cette philosophie-là. Maintenant, c'est sûr que, par exemple, au mois d'octobre, là, le DLC Expansion, faut pas qu'ils nous vendent 40 balles, hein, parce que ça va grincer. Hein. Mais bon, je pense pas qu'ils sont bêtes au point de vendre un DLC aussi cher. Bref, on verra. Donnez-moi votre avis en commentaire. Moi, je trouve que c'est une très bonne nouvelle, en tout cas. Voilà.
Si vous aimez le contenu de ma chaîne, si vous voulez me soutenir, bah, n'hésitez pas à vous abonner. Le petit like, ça fait toujours plaisir. Enfin bref, on vous répète tout le temps les mêmes trucs. Hein. Vous avez l'habitude, le partage, tatati, tatata. Vous faites bien ce que vous voulez, bien évidemment. Hein. On n'est pas là non plus pour se vendre. Mais bref, vous le savez très bien que voilà, c'est comme ça que ça marche sur YouTube. Bref, je vous souhaite une très bonne journée. Je vous dis à très bientôt sur Sim Racing de Mick. Bye bye.